dia, meninas! J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Alors, comment ça se passe le début de cette année 2021? Pour moi, c'est tout à fait génial. Et depuis le 1er décembre de 2020, je suis venue rendre visite à ma famille. Je suis au Brésil aujourd'hui. Je suis à Santos, São Paulo. Et c'est ici que nous avons un atelier, et notre atelier de Hippie Paris. Et c'est ici qui est Crée vos vêtements. Je suis venue rendre visite à ma créatrice de cette année. Et je vais profiter de cette chance magnifique parce que je prends ça comme une opportunité d'être au bord de la mer. C'est cette chose que j'aime autant. Et je suis venue faire un petit entraînement pour vous partager dans notre IGTV. Et je vais profiter pour faire un entraînement tout à fait spécial. Et parce que depuis un petit moment, je pratique de la méditation. Je suis vraiment à fond. Et je vais vous dire que ça a beaucoup changé des choses dans ma vie, dans mon corps et dans ma connexion à moi-même. C'est génial. Je vais vous partager ça tout au long de cette année de 2021 parce que vraiment c'était une de mes plus grandes découvertes. Et je vais profiter, je vais vous partager un entraînement que j'ai appris et avec mes cours de méditation et tout ce que je suis en train de faire pour me connecter à moi-même. C'est un exercice pour énergiser le corps. C'est tout à fait magnifique. Vous pouvez faire n'importe où, n'importe quelle heure et profiter des bons moments de vos vies. Je suis ici à la mer, je vais profiter de ça et je vais partager cet entraînement avec vous. Et n'oubliez jamais de vous hydrater pendant les entraînements, même si c'est un entraînement qui on croit que c'est léger, mais ça donne tellement d'énergie. Allez, univers, je suis super prête. Et toi? Gros. Voilà, la petite fin de mon entraînement, il pleut. Voilà, cet exercice, c'est pour énergiser le corps, ça fait du bien,
ça donne de l'énergie, ça équilibre toute notre énergie. Voilà, c'était ce petit moment, mais je vais profiter encore de la plage. Il pleut, mais c'est pas grave. Et la moindre des choses que je vais faire maintenant, c'est me baigner dans la mer. À la prochaine, bye.